Halakha yomit, la tefila, la prière. Baruch Hashem, chaque juif, en vérité, même les goyim, même les avdil, par différence, les animaux, même la nature, les plantes, tous, si on avait la possibilité de les écouter, donnent des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et les louanges les plus aimées chez Kadosh Baruch Hu, c'est à nous les personnes. Kadosh Baruch Hu aime écouter les louanges de la personne. Surtout si cette personne écoute Hachem. Ça veut dire quoi d'écouter Hachem? C'est de suivre ses lois. Alors, la tefila. Il y a les lois de la tefila. Une des lois de la tefila, c'est de prier lorsque la personne se lève avec joie, avec peur d'Hachem, avec crainte d'Hachem. Et elle sait que Hachem, il peut tout faire, lui résoudre tous les problèmes. Et avec cette croyance qu'on doit se mettre à prier à Kadosh Baruch Hu et de penser qu'à lui pendant que je prie. Et c'est pour cela que les tzadikim avaient une préparation avant de prier. Et cette préparation le prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, on dit les korbanot avant de prier. Avant Minha, on dit la Mnatzer avant de prier. Mais c'est une préparation. Et espérons que toujours Hachem reçoit nos prières.